بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 47 sur le cours de l'ordre des nombres réels et opérations. Niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. A et B, deux nombres réels tels que A est compris entre moins 4 et moins 2, B est compris entre 3 et 6. Encadré 2AB moins 3 demi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez encadrer ce nombre réel. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Encadrant, deux AB, moins trois demi. Par quoi je vais commencer ici pour encadrer ce nombre? Oui, bien sûr, il faut encadrer A fois B, mais vous savez bien ici que A et moins 4 et moins 2, ce sont des nombres réels négatifs. Donc, je ne peux pas multiplier ces deux encadrements membre à membre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut tout d'abord encadrer moins A pour pouvoir travailler avec des nombres réels positifs. On a A est compris entre moins 4 et moins 2. Donc pour encadrer moins 1, on va multiplier tous les nombres par moins 1. Donc moins 1 fois moins 4 deviendra supérieur ou égal à moins 1 fois A, qui à son tour supérieur ou égal à moins 1 fois moins 2. C'est-à-dire 4 supérieur ou égal à moins 1, qui est supérieur ou égal à 2. Ou encore moins 1 est compris entre 2 et 4. Et comme B est compris entre 3 et 6, donc maintenant, je peux multiplier ces deux encadrements membre à membre, puisque tous les nombres que vous voyez ici sont positifs. 2 est un nombre positif, 4 l'est aussi, moins 1 entre les deux nombres positifs, donc c'est un nombre positif. 3 est un nombre positif, 6 est un nombre positif, B entre 3 et 6, donc B est aussi un nombre positif. Donc, je peux multiplier ces deux encadrements membre à membre, c'est-à-dire moins A fois B est compris strictement entre 2, est compris entre 2 et 3. Je m'excuse. Moins A fois B est compris entre 2 fois 3 et 4 fois 6. C'est-à-dire moins AB est compris entre 6 et 24. Oui, 4 fois 6, c'est 24. Pour obtenir l'encadrement de AB, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais multiplier tous les nombres par moins 1. Donc, moins 1 fois 6 deviendra supérieur ou égal à moins 1 fois moins AB, qui, à son tour, supérieur ou égal à moins 1 fois 24. C'est-à-dire moins 6 supérieur ou égal à AB supérieur ou égal à moins 24. Ou encore AB est compris entre moins 24 et moins 6. Maintenant, je peux
encadrer deux AB. Deux fois AB est compris entre 2 fois moins 24 et 2 fois moins 6. C'est-à-dire 2AB est compris entre moins 48 et moins 12. Maintenant, pour obtenir l'encadrement de 2AB moins 3,5, je vais tout simplement retrancher 3,5 de tous les membres de cet encadrement. C'est-à-dire 2AB moins 3,5 est compris entre moins 48 moins 3,5 et moins 12 moins 3,5. C'est-à-dire 2AB moins 3,5 est compris entre moins 48 fois 2, c'est moins 96 sur 2, moins 3,5. Ici, moins 24 sur 2, moins 3,5. Moins 96 moins 3, c'est moins 99 sur 2, est inférieur ou égal à 2AB moins 3,5. Qui est inférieur ou égal à moins 24 moins 3, c'est moins 27 sur le dénominateur qui est égal à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourg Zaytoun à Marrakech. Au revoir.